Cal. Ce ne sera pas facile. Ouais. Mais je suis prêt. Je ne parle pas que d'ici. Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Et il est si facile d'échouer. Vous luttez encore contre le côté obscur, même après avoir coupé votre lien avec la Force. C'est une lutte sans fin. Mais c'est ça, le test. C'est en choisissant de se battre que l'on découvre qui on est. Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est le Temple Jedi. Ça fait longtemps, mais... Oui. Je m'en souviens. Tous les Jedi novices viennent ici. Enfin... Venez ici. Du temps des Jedi. Je me rappelle cette pièce. Maître Yoda a fait fondre cette porte pour nous faire entrer. Pas avec la Force. Avec ce cristal. Il concentrait la chaleur de la lumière. Je pense qu'on peut le faire aussi. De la chaleur s'échappe des fissures sous l'eau, mais il fait très froid ici. Le cristal Kyber. Il m'appelle. On n'est plus très loin. Le cristal Kyber choisit son Jedi. Et pas l'inverse. Oui, un peu comme toi. Son appel s'intensifie. Dépêchons. C'est par ici. Je peux le sentir. On sera bientôt dehors. Je te le promets. Venez !
T'approches surtout pas. M'aider. Ah. L'échec n'est pas la fin, mon ami. Ça va, Médé. L'heure est venue. C'est peut-être la dernière fois que tu me vois. Je sens au fond de moi que l'Ordre Jedi vit ses dernières heures. Non. L'échec n'est jamais la fin. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Comme toi, BD1. Je pense que tu trouveras quelqu'un qui sera aussi brave et volontaire que tu as su l'être. Et que tu l'aideras, comme tu m'as aidé. Mais ta mémoire sera totalement perdue. Es-tu sûr de vouloir le faire ? Je procède à l'encodage de la mémoire. Seul un très fort lien de confiance sera à même de te rendre tes souvenirs. Tu as ma confiance. Comme depuis toujours. Et j'ai confiance en quiconque tu choisiras pour me remplacer. Au revoir, mon ami. Tous tes souvenirs. Tu
Tu as failli les perdre. Oui. Ah. Ouais, moi aussi, je crois en toi, BD. Ouais, t'as raison. Il reste une chance. Verrouillé, je te présente BD1. Serré, faut pas qu'on traîne ici. Ils ont envahi Illum. Est-ce que ça va? Non, je suis repéré. Et ce n'est pas tout. Ils extraient des cristaux Kyber. Capitaine, prépare-toi au décollage. Les canaux impériaux. Ils envoient toutes leurs ressources vers toi. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. On aura bientôt plus de couverture. Et si vous masquiez le signal du Mantis? Ça ne fonctionnera pas, si tu y attends. Ils ont réussi à appeler des renforts. Tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont rappliquer. S'ils arrivent ici avant toi. Non, pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'Ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu, et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Ouais, ça c'est bien vrai. BD est le seul à être fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous. Imagine qu'on peut aller sur Datomir. Datomir. Il est temps que je l'affronte. Oui. Tu es prêt à affronter ton passé.
Et pour vous, Etrilla ? Je ne suis pas sûre d'être prête un jour. Tu sais ce que tu dois faire pour commencer à guérir, et je suis vraiment fière de toi. Mais ma voix est tout autre. Je suis là pour vous si vous avez besoin de moi. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. Tout ira bien. Tout ira bien. Tu veux parier sur ce qu'on va trouver comme truc affreux cette fois ? Des morts vivants, des araignées géantes, des planteuses ? Non, je dirais les trois. Dis pas ça. Ou peut-être que la nuée d'action nous tombera dessus. Sérieusement, vous m'en voulez encore ? À moi, Grise ? Je pense que ça peut se comprendre. Tu dois quand même admettre qu'on s'est bien éclaté. Combien de types ont l'honneur d'être cherchés par la nuée d'action ? Si tu n'étais pas aussi bon pilote, je crois que je t'aurais déjà livré. T'as intérêt à assurer, Grizzly. J'ai eu tort de revenir ici sans arme. J'ai une arme. Tu crois que ce sabre laser fait de toi un Jedi ? Non. Être face à vous. Les souvenirs qui m'obsèdent depuis Braca. J'ai décidé de ne plus les fuir. Alors découvrons quel type de mort te réserve ton courage. N'as-tu donc rien appris d'autre ? Impressionnant. Mais le pouvoir est-il la clé ? Jamais je n'oublierai. Le passé est devenu une partie de moi. Je serai digne de vous. Et de votre sacrifice. N'oublie pas. La persévérance te montrera la voie. Tu as choisi de revenir. C'est brave, mais imprudent. Peut-être. Meryn, c'est ça ? Je m'appelle Cal Kestis. Tout ce qu'on t'a raconté sur les Jedi est faux. Si tu le dis, Cal,
Malikos dit lui aussi des choses. Taron Malikos a peut-être été un Jedi, mais ce qu'il est devenu, je n'en ai aucune idée. Mais ce n'est pas parce qu'on porte un sabre laser qu'on est forcément un Jedi. Alors quoi? Ils garantissaient la paix. Et ont été trahis par ceux qu'ils protégeaient. Ils ont été pourchassés par l'Empire et... je suis peut-être un des derniers Jedi. J'étais une enfant quand ils ont attaqué. Un guerrier de métal qui brandissait ceci s'est précipité sur nous. Et a exterminé mon peuple. Mes sœurs. Je me suis retrouvée seule. Avec les corps. Et Malikos est arrivé. Me promettant ma vengeance. En échange de tous nos plus précieux secrets. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Et Malikos a eu tort de s'en servir contre toi. On n'a pas besoin d'être ennemis. Tu en auras besoin. La voilà qui repart. J'observerai. Fichons le camp d'ici. Malikos est proche. Tu peux encore partir. Je ne peux pas. Il y a des vies en jeu. Quelle vie? Des innocents. Des enfants sensibles à la Force qui seront traqués et assassinés. Comme mes sœurs. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Un massacre. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Cal Kestis. Malikos. Bienvenue. Tu es venu pour t'entraîner? Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de... risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi... ils n'ont plus aucun avenir. Comment peux-tu l'ignorer? Il faut penser au renouveau. Toi et moi. Nous pouvons bâtir autre chose. De bien plus grand. Non. Alors Tatomir va devenir ton tombeau! Jedi! J'ai failli t'avoir! J'ai rien senti! Seuls les lâches fuient! Ah!
croire que tu pourrais m'aider. Meurs minable. Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. Seuls les lâches fuient. Vous allez mourir, Malikos. N'était rien. C'est beaucoup trop lent. J'ai survécu à pire. Malikos, Datomir sera votre tombeau. Laisse-le dans les ténèbres avec ses secrets, jusqu'à ce qu'il en meure. Pourquoi tu m'as aidé? Pour délivrer Datomir de ce parasite. Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis? Ceux qui ont bâti ce tombeau, les Éphos, ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Ce lieu, c'est... terrifiant. Enfin trouvé. Alors il existe? Merin, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Ouais. Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais, ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait? Non. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Je suis là désormais. Contre toute attente. Te pousser vers l'avant?
Je viens avec toi. Ah bon? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... les survivants doivent s'adapter. Ouais. Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Alors on fera ce qu'il faudra. Tu l'as trouvé. Eh oh, qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, Grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Une sœur de la nuit. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Ce Cordova est en train de sacrément user mon vaisseau. Il a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait? On a visité de nombreuses planètes. Des tombeaux et des temples liés aux Zephos et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Il a toujours été seul, même quand j'étais avec lui. Il n'y avait que son travail et l'avenir qui lui importait vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Eh, hey, petit gars, assieds-toi, on y est. Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh hey, oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, C'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Ah, changement de plan, on est presque arrivés. Oh, Grise. Ouais. J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Que tu vas la voir, c'est Holocron. Très bien, tu t'en souviens? Tu m'accompagnes? Non, certainement pas, non. Tu sais, je voulais seulement te dire que ces gamins qu'on espère trouver, ils ont de la chance de t'avoir. De la chance de nous avoir. C'est un travail d'équipe, Grise. Je vais pas te mentir, j'espérais vraiment que tu dirais ça, parce que, tu sais, il va leur falloir plus que des tours de magie. Ah oui?
Ils ont besoin de concret, il leur faut un modèle, quelqu'un qui les inspire. Piloter un vaisseau, c'est tout un art, tu sais. Enfin, on verra si je reste dans le coin. Je m'en souviendrai. Bien. Bien. Tant mieux. Bonne chance, l'ami. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complexe. Son pouvoir ancestral émane de l'ombre. Bogano a l'air plus simple. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Efo y ont bâti leur sanctuaire. Là où se trouve l'Holocron. Caché. Où veux-tu en venir? Cette planète est restée presque intacte pendant des siècles. Les vies que tu veux protéger étaient-elles vraiment menacées avant que tu interviennes? Les Jedi que nous formerons contribueront à bâtir une galaxie qui préserve des endroits comme celui-là. Est-ce que ce sera leur choix, ou le tien? On a besoin les uns des autres. Sans les Jedi, pas sûr qu'on survive. Il est de notre devoir de les protéger. J'ai compris, oui. Cal, tu as une seconde? Tu as beaucoup appris pour en arriver là. Mais le sanctuaire reste un mystère. Cordova y a caché l'Holocron. C'est tout ce qui compte. Je dois aller le chercher. L'épreuve de Cordova pour le défendre est périlleuse. Vous avez peur pour moi? Je ne veux pas être seul à former tous ces novices. Ça ira, Serré. Et puis, j'ai BD pour m'aider. Je sais. Mais faites attention. Vous n'avez peut-être encore jamais rien vu de tel. Merci. Je suis prêt. Et BD aussi. Prenez soin l'un de l'autre. Un truc étrange. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. C'est parti, BD. Ce mur. Ouais, allons voir. Je les guiderai sur la voie de la Force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la Force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis? Vous pensez que l'Empire nous trouvera?
Protégez-vous! Rends-toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mets-toi à genoux. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Quelle importance. Ce n'était que la vie dérisoire d'un padawan contre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'Empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la Force sur cette liste. Sans parler de la tienne. Comme tu l'as dit, Trilla, je suis obstiné. Oh, Fred.
en train de courir. J'ai enduré bien pire que ça. La peur te submerge. J'ai enduré bien pire que ça. Fais attention avec ça. Il a vu l'enfer. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trilla. Que la Force soit avec toi. Maître, restez avec nous! Trilla, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Ça va aller. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous et Trilla, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Locron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer, préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse. Où ils traînent les Jedi. Et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux. Au nom du Conseil Jedi, et au nom de la Force, Cal Kestis. Debout.
chevalier Jedi. Maintenant, tu es prêt. Tout comme vous. Cal m'a dit que vous étiez Jedi avant. Pourquoi avoir renoncé? Dans un moment de faiblesse, j'ai fait appel au côté obscur de la Force. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui résister. Le côté obscur? Ce côté de la Force se nourrit de la souffrance, de la peur, de la haine. Si on y fait appel, c'est souvent un aller sans retour. Les Sœurs de la Nuit savent canaliser la magie. On ne la laisse pas nous consumer. Eh bien, j'en suis ravie pour toi. Je veux dire, je pourrais vous apprendre. J'apprécie ton offre, mais tu dois comprendre qu'utiliser la Force reste dangereux pour moi. Je comprends. On va sortir de l'hyperespace. Assieds-toi. C'est pas bon. Face à des défenses pareilles, nos stratégies de routine seront trop justes. Je connais un moyen. Que comptes-tu faire? Un rituel pour cacher votre vaisseau, si je peux. Un rituel? Elle a du talent pour ce genre de choses. Quoi? Oh, une petite minute, on se calme. Qu'est-ce que ça implique, ce rituel? Un sacrifice. L'un de tes bras devrait me suffire. C'est une blague. Ne sois pas si sérieux. Rejoins-moi à l'avant. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Mes sœurs, ma mère, donnez-moi votre force. Quoi qu'elle fasse, ça fonctionne. Quelles sont nos chances, selon toi? Je mise sur toi, petit gars. Allons-y, Bédé. Une fois à l'intérieur, je pourrai m'attaquer à leur défense, ainsi que saboter leur capteur pour que le Mantis puisse nous extraire. Toi, tu trouves l'holocron. On reste pas ensemble? Je sens l'appel. La vie de chacun des enfants sur cette liste est en jeu. Quoi qu'il arrive là-bas et quoi que tu puisses voir, ne t'occupe pas de moi, d'accord? Prends l'holocron et va-t'en. On est à la forteresse. C'est l'heure. Thank you.
contrôle. C'est pénible, c'est tout qui coule. Comment vous supportez? Quoi? J'ai un visuel. Tire sur la cible. J'ai eu. C'est qu'un début. Yann, tu es là? Ouais. Content de vous entendre, Zéré. J'ai localisé l'holocron. Je te communique sa position. Bien sûr. On se met en route. J'incarne la volonté de l'Empereur. C'est ici que l'Empire a créé ses inquisiteurs. Ils y ont torturé Serré et converti Trilla au côté obscur. Il est temps de détruire ça, BD1. Je me sens mieux. Serré, j'ai dégagé le secteur, mais l'Empire m'a enfermé. Vous auriez une idée? Cal, cherche une salle de contrôle. J'ai un plan. Je crois que j'en ai trouvé une. De la forteresse. Inonde la base et nage jusqu'au donjon central. Ça, c'est un sacré plan. On se retrouve là-bas. Bonne chance. C'est compris. On y va, bébé. Cette section a l'air fragile. On va. Comme le dojo du temple Jedi. Mais malsain et corrompu. Excellent. Ça donne? Je suis blessé! Être utile. Par ici, Bélé! Cal, je suis tout prêt, mais un sas blindé me barre la route. J'essaie de trouver une console. Trouvé.
impressionnant. Vous tenez le coup? Ne t'inquiète pas pour moi, nous avons une mission. Mais j'avoue, ça fait un bien fou de détruire cet endroit. Ils nous enfermaient dans cette prison. Je regrette qu'il n'y ait plus personne à sauver. Désolé qu'on ait dû revenir ici. Moi aussi. Mais nous n'avions pas vraiment le choix, non? Non, en effet. Allez, continuons. Oui, il est grand temps d'en finir. Aucun signe de Trilla? Non, pas encore. L'holocron est conservé dans la salle d'interrogatoire. C'est le lieu le plus sécurisé de la forteresse. Je t'ouvre la voie vers l'holocron. Trouve l'holocron. Je m'occupe des renforts et je te rejoins dès que possible. BD, la porte. Rien ne t'arrête, toi. J'ai l'holocron. C'est à moi de le faire. C'est fini, Trilla. Tu sais que rien n'est jamais vraiment ce fini. Ce combat-là est fini. Je connais cette noirceur qui te dévore de l'intérieur. Mais chaque jour, tu as le choix entre la nourrir et l'affronter. C'est trop tard, Céré! Non. C'est faux. Je sais que les choix que j'ai faits ont entièrement condamné ton avenir. Je t'ai abandonné, Trilla. Je t'ai abandonné. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai eu tellement de haine envers toi. Déçu, inquisitrice. Vengez les meurtres. Cal, cours. Il serait sage que tu te rendes. Capitule.
J'y arriverai. Serré. Je continuerai jusqu'au bout. Tiga, tu me reçois? Ils ne répondent pas. Ils vont bien. J'en suis certaine. Chris, je suis là. Je me dirige vers la surface. Prépare-toi. J'ai trouvé l'holocron. Mais Serré, elle ne reviendra pas à Gris. Serré. Renonce à l'holocron. Jamais je vous le donnerai. Nous verrons. Fait une excellente inquisitrice. Elle est plus forte que ça. Non, non, ça. Oui, la puissance du côté obscur. Serré. Je peux la sentir affluer en elle. Serré, serré. Hé, écoutez-moi. Vous avez le choix. Désolée. C'était toi dans l'eau, pas vrai? Contente que tu ailles bien. Il ne t'a pas quitté un instant. Merci. Et maintenant? Eh bien, capitaine, tes services ne sont plus requis. Tu as bien rempli ton contrat. Merci, Chris.
Eh ben, si ça te dérange pas, je pensais que je pouvais peut-être rester un peu dans le coin et piloter pour vous. En plus, je risque de manquer au petit. Que va-t-on en faire? On va s'en servir pour reformer l'Ordre Jedi. La nouvelle génération de Jedi. L'Empire voudra leur faire la peau, comme il essaie de le faire avec nous. Tous les enfants qui se trouvent sur cette liste verront leur existence bouleversée à jamais. Mais pas par nous. Leur avenir doit être confié à la Force. Alors, où allons-nous ?